were made to be ruled. Salut, salut, ici Le Bras et on se retrouve donc pour un épisode spécial Bon Plan. Donc il y a trois nouveaux bundles qui ont été ouverts, dont deux qui sont sympas et un peu moins. Donc on va commencer par celui qui est un petit peu moins sympa. Donc à 4,09€ sur theindieroyal.com. Donc il y a 6 jeux indépendants. Alors j'en en connais aucun, mais vous ferez vos recherches vous-même. Vous voyez, c'est bien indiqué Steam pour PC, pour Mac, pour Linux, pour Windows, pour Mac et pour Linux sur Desura aussi. Donc des fois vous avez la clé pour Steam et la clé pour Desura, d'autres juste pour Desura ici. Et là, il n'y a pas de free DRM, donc ça veut dire que vous ne le téléchargez pas sur le site, vous inscrivez votre clé. Donc vous verrez le lien dans la description. Et les deux bundles intéressants, donc c'est sur Humble Bundle, donc .com là. Là, il n'y a pas de slash ou autre. Là, c'est un bundle pour Android, donc des jeux pour téléphone. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà, il y a des jeux déjà très connu, il y a Plants vs Zombies, Metal Slug 3. Après les autres, je les connais pas trop. Mais c'est pareil, vous cliquez sur le truc, vous avez la petite vidéo qui se lance. Donc là pour 5,57$, bien sûr ce humblebundle.com, vous pouvez payer par PayPal, donc pas de frais de change. Donc c'est très intéressant. Et celui qui est intéressant, donc le plus quand même pour PC, c'est Humble Bundle Weekly. Donc là, vous, quand vous êtes sur le truc, vous cliquez en haut. En fait, j'aurais pas dû ouvrir la truc. Et c'est un Humble Bundle, donc pour la semaine, il reste 6 jours. Et il a été juste fait hier, donc je fais la vidéo vite fait aujourd'hui. C'est sur des jeux THQ, donc pour 1$. Je l'ai acheté, hein, moi. Donc ça fait 82 centimes, je crois. Vous avez Darksider 1 et Red Faction Armageddon avec le DLC. Sachant que Red Faction Armageddon, c'est le dernier sorti. C'est Red Faction Guerilla qui ressemble un peu plus à un GTA qui est en plein air, etc. Enfin, qui est en plein air et qui est vachement bien. Donc, pour 80 centimes, là, vous avez Darksider 1 et Red Faction Armageddon, le dernier sorti, qui ressemble un peu plus à un Gear of War au niveau du jeu. C'est vraiment un jeu bourrin. Donc très intéressant. Et si vous faites si vous payez l'average, donc le truc moyen, donc allez-y très vite parce qu'il va monter, hein, vu que c'est des jeux, très bons jeux, ça va monter progressivement. Bon, après ça va pas monter énormément, ça va monter, je sais pas, peut-être 1 ou 2$, quoi. Donc autant économiser ça. Vous aurez Darksider 2, donc avec bien sûr il y a les soundtracks, mais bon, c'est pas spécialement intéressant. À part si vous voulez écouter votre musique dans votre iPod et tout le bordel. Et Red Faction Guerilla. Sinon, c'était tout. Je vous mettrai les trois liens, même s'il y en a surtout deux, puisqu'après, il suffit de changer. Les trois liens des trois bundles dans la description. Et pour vous faire un petit peu... pour vous donner un petit peu des news là, justement juste après cette vidéo là, il y aura le test, donc 25 minutes max sur The Walking Dead qui sera posté, et là je suis en train de finir le rendu du test sur Tomb Raider. Donc c'était tout, j'espère que tout va bien pour vous et bye bye.